Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur les chaînes de fer, j'espère que vous allez bien. Nous continuons la campagne de libération sur Heroes of Might and Magic 3 avec un deal, un pacte avec le démon. Pour gagner, vous devez capturer la cité de Clisive. Alors, des gardes... Ah oui, c'était les gardes de frontière ne peuvent laisser passer qu'un héros. Porte un artefact de quête du scénario précédent. Mais l'artefact Beyond the Border Guard will travel with you to the next scenario. Waouh, c'est chaud, hein, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Un previous scenario, but the artifact Beyond the Border Guard. Je sais pas. De toute façon, on a changé de héros. Alors, les bonus. Commencer avec un parchemin de protection contre le feu, c'est inutile. Commencer avec un parchemin d'Ice Bolt. Oui, ça fait du dégât, c'est bien. Commencer avec un parchemin de précision. Ouais, non, les deux sont bien. La précision, vu qu'on va jouer château, on a les arbres électriques, tire de loin, on a les zélotes. Et aussi, on va avoir l'aide d'Avli, donc il va avoir les elfes qui tirent deux fois. Et je crois qu'en rempart, c'est tous qui tirent de loin. Donc on va prendre l'ice bot. My name is Darrell, ambassador from Avli. I bring a message from Queen Catherine. After the liberation of Stedwick, a Cregan envoy appeared before the royal court. He claims they have captive King Roland Ironfist of Enroth. They are asking for 1 million gold ransom. We cannot validate this claim. True or not, Queen Catherine is unwilling to pay. After interrogating the envoy, we learned Roland is held deep inside Eofil by Clan Creela. Locate Clan Creela's base of operations and rescue Roland. In addition to your Irathian army, we will support you from Avli. This mission is of utmost seriousness. You may rescue Roland or find yourself the victim of a trap. Ok, donc alors une lettre qui vient d'un leader d'Eofol explique clairement que le roi Roland est captif des démons et qu'il demande une rançon d'un million de pièces d'or pour le garder vivant. Nous n'avons aucune raison de vérifier si c'est vrai, mais une interrogation musclée du messager a révélé que le clan Krila est en possession de Roland. Juste à l'intérieur de la frontière d'Eofol. Vrai ou pas, la reine ne peut tout simplement pas se rendre. Alors, la forteresse principale du clan de Krila Clisive est localisée juste de l'autre côté de la frontière erasienne. Vous devez capturer Clisive et libérer le roi Roland s'il est effectivement dedans. Alors, on dirait que ce soit peu probable qu'il garde un otage si proche des frontières. Vous devez faire attention que ce ne soit pas un piège élaboré. Des forces d'Avli sont venues vous assister dans cette tâche, représentée par le rempart qui est tout au nord. Bonne chance et que la lumière des cieux vous protège. Ok. Ok. Alors, ça mérite une save. Pacte avec le démon. Ah, très important, bien. Très très important. Alors, effectivement, on a gardé le badge de courage du premier acte, donc on ne garde pas les personnages de... Enfin, les héros de mission. Très très bien. Oh, double... Oh. Alors, Claire... Adélaïde avec le Frost Ring, c'est pas mal. Archerie... On va recruter tout le monde de toute façon, j'ai besoin de troupes. Je pense que, en vérité, jouer un chevalier, je pense que ce serait plus intéressant pour nous. Alors, tu vas lui donner toutes tes troupes et tes objets. Pareil pour toi. Attends, tu vas sortir s'il te plaît. Tac. Et on va se séparer aux quatre vents.
pour récolter un maximum. La ville ici, il n'y a rien de construit, merveilleux. Alors, Avli. Oh, sérieux, c'est Avli ça? Ah non, c'est juste une ville, ok. C'est pas Avli, c'est une petite ville. C'est une petite bourgade. On va recruter un druide. Hop. On va au moins prendre les bâtiments de base du coin. Pour faire un peu de ressources. Eh, la carte me paraît toute petite. Quand tu sors de la libération de Sedwick, ils auraient pas dû commencer par cette. Par cette carte en vrai. La campagne, c'est trop violent. Ça va encore, ouais, j'étais chaud, hein, parce que j'enchaîne toutes les cartes, donc je suis pas. Je suis pas totalement perdu, mais. C'est quand même ultra vénère. Hein. Avis, l'avantage. Enfin, c'est que la quête. Oh merde, j'arrive pas à formuler un seul mot. Là, l'avantage, c'est qu'il y a déjà un fort sur cette cité de rempart. Hein. Parce que la ville ici, là, putain, va mettre du temps à la monter. Hein. Ok, s'il y a des démons, tout va bien. Les étapes de centaure. Petit moulin à eau. Tellement cool les musiques de jeu, quoi. Elles sont juste merveilleuses. Griffon, c'est peut-être un petit peu gros, non? Ouais, tac tac tac, il y a deux dommages. Assez de bois. Faire un silo alors. Pff, 32 dégâts. Orion récite l'incantation, mais ça ne semble pas avoir d'effet. Ok. De QA pour QA. Taper le groupe de 6. C'est plus intéressant pour mon énorme paquet de piquets. 17-25. Ça va! Bien. Oh,
faut de l'or. Un pack. Tellement lent. Laisse tomber, le combat sera terminé avant que les nains arrivent. Pas du tout d'or, c'est violent. Ok, on va nettoyer la zone. Énorme. Ah oui, d'accord, en même temps, s'il commence le combat comme ça, effectivement, les 12, je vais les perdre assez vite. Non, mais et le parchemin il sert à rien, c'est une blague? Solide, fantastique. Très très solide. Donne-moi tes troupes, merci bien. Non, pas assez. Ramasser les quelques piécettes. Le bouclier, on va le donner. Peut-être qu'il a pas assez de... de savoir ou de puissance pour pouvoir jeter le sort, parce que j'avoue que les parchemins je n'utilise jamais sauf des gros sorts, et en général quand j'ai des gros sorts ou parchemins c'est des parties très avancées, donc j'ai jamais ce genre de problème.
Oh là là, le pognon, le pognon, le pognon. Je pourrais pas faire mieux, à mon avis. Ok, moi je pense qu'on est bien clean pour le moment. La mine d'or, par contre, va vite falloir que je la nettoie. On a réussi à rattraper tout cet entoin. Ok, on a nos petits croisés. En position pour la nouvelle semaine. Oh, putain. Je vais vendre du mercure et du bois parce que là, la fou je recrute, je suis en train de prendre un retard monstrueux. C'est peut-être parce que t'as pas de bouquin de sort. Ah, c'est peut-être ça. Je vais prendre la mine d'or. Parce que là, ça, c'est urge un truc de ouf. Semaine. Comment l'IA a réussi à perdre des troupes, sauf si elle balance comme un énorme tarn dans le tas. Je vois pas comment c'est possible. J'ai pas compris. Ça va mieux avec la mine d'or, hein, étonnamment. Clissive, le nom de la ville. Celle que je dois prendre. Bon, évidemment. Ah, il y a le sorte de cire là. On va faire une petite save d'ailleurs. Bon, bah Stygius, hein, on trouve pas. Elle a pas compris. Des démons partout dans ce bordel. Griffon, ouais. Oh non, mes arbitriers, fuck! J'aurais peut-être dû prendre Pathfinding, je suis un imbécile. Bon, on va suivre la route, hein!
C'est à Badon, c'est pas la bonne ville. Qui me fait peur dans le tas, les Gog, Gog tape de loin. Oh putain, il a 10 d'attaque le salaud. Bénédiction. C'est vrai que les familiers drainent une partie du nana. Du nana. Du mana. Quand tu jettes un sort. Du nana, non mais. Please. Oh what? Ça c'est bien par contre. J'en tue deux. Oh putain, c'est bizarre. Là. Malédiction. Ça annule la malédiction. C'est des contraires. Oh le misclic. Oh putain. Ah le misclic. Ah non. Ah le misclic des zélotes. Oh ça m'a coûté cher ça. Oh d'accord. Épée du feu d'enfer, plus 6 d'attaque. Bon bah... Bon, bah on va prendre la ville, j'imagine qu'il a déménagé. Tout à fait. C'est plus simple à prendre du coup. Hop, ça fait un peu de souffle. Par contre, il va vite falloir que j'aille me réapprovisionner en troupes parce que là, ça devient critique. Hein. Ça c'est pas assez pour acheter une semaine de troupes quoi. Putain les gars quoi. Allez, Loïnis. Est-ce qu'il y a plus de chemin à passer par là? On va pouvoir faire un relais. Ok. Alors apparemment il y a une ville là-haut. Merde, c'est des arbres ici, fuck.
Oh. Ça c'est dangereux. Je combe, non, c'est pas si juste. Mais putain, elle est où la ville, sans déconner, quoi? Toutes les villes de l'Inferno qui est dans le coin. Ça va être tout en haut à droite à tous les coups. Oh non, non, oh, c'est mauvais ça. Alors, dans mes jours de jeunesse, j'ai fait ça moi-même. Ah non. Dans mes jours de jeunesse, je l'aurais fait moi-même. Oh putain. Mais j'ai besoin de votre aide. Un ami qui m'est cher récemment a volé un héritage familial et veut le trouver. Le problème, c'est que... il ressemble exactement à un tome de magie du feu. S'il vous plaît, apportez-moi l'objet qui correspond à la description. Même si les artefacts n'est pas un héritage familial, je vous récompenserai de vos efforts. Très bien, c'est à l'autre bout de la carte. Donc l'avantage est symbolisé par... par des objets, en fait, dans cette campagne. À droite. Ok, il est une de sorcière. Ok, il est vraiment pas loin. C'est ça. C'est forcément tout en bas à droite. Mon dieu. Pas beaucoup de troupes. Juste à recruter. Pour foutre un peu dans la hesse. Pourquoi faire un chemin si grand? Ah, c'est pas des tours, non. Oh, oh fuck. Bon, l'avantage, c'est que je sais exactement... combien est-ce qu'il a de troupes maintenant? De toute façon, en recrutant comme ça, je sais que c'est les troupes d'Inferno qui pourra pas recruter. Donc même si Hammer un peu utilisé connement, ce sera toujours des ennemis, ils seront pas contre moi. Super! Semaine de la peste. J'avais exactement besoin de ça. Pring!
recruter. C'est merveilleux. Exactement ce dont on avait besoin. Oui. What? Mais il est où, Sidious? Oh, il y a des archidiables, elle doit être là. Oh, fuck. Elle est pas du tout dans un coin. Comme je le pensais. Elle est pas du tout comme je croyais. Ok, lui, le bouclier des damnés. Ils veulent tous des trucs différents. Parce que j'aimerais avoir les objets de la quête pour la prochaine mission. C'est vrai que c'est plutôt utile. Il faut le trouver après, quoi. De toute façon, j'ai pas les troupes. Ok. Académie de la guerre. Plutôt sympa. Ah ouais, donc il est bien au centre. Putain. Avec 2 semaines de troupes, je pense que ça devrait le faire. Moi, je l'espère. Qu'est-ce qu'il recherche? Oui, j'ai probablement ce que vous recherchez. Est-ce que je peux avoir l'épée de feu d'enfer? Oui. Ah, mais c'est une chaîne, d'accord. C'est lui qui voulait le bouclier. Putain, c'est loin. On peut trouver un moyen de choper un objet de fou. Juste avant de lancer un énorme combat contre des archidémons. Enfin des archidiables, pardon. Je dis pas non. Oui, c'est comme ça qu'on chope le ton.
Ah, il a le... Ok, je vois ce qu'il a. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une sorte de sphinx là qui génère du brouillard de guerre. Qui est ultra relou. Moi je vais aller voir monsieur. Ah, tiens, il y a un petit bug. Hop. Oh oui! Ah, si c'est cet objet qu'on peut garder de mission en mission. Ok, et on va tenter une incursion. Hop, save game. Pacte avec le démon 1. Alors normalement c'était là. On va ramener des troupes d'ailleurs. Tiens, il m'a pas pris les archanges. Pourquoi? Est-ce qu'il a des anges? Tiens, et v'là mes archanges. Normalement, ça devrait le faire. 8. Ça va. J'imagine Castigius juste là. Ah non, avec Clissive, pardon. Castigius, qu'est-ce que je raconte? Il y a du monde quand même. Il y a du monde. De dégâts, sympa. Trente-trois démons. Là. Bon bah je pense que c'est good hein. Est évacué. Félicitations, vous avez capturé Clissive et vous êtes victorieux. Waouh. C'est de plus en plus chaud. Hein. Je me suis même pas servi du rempart au final, je m'en suis juste servi comme un puits d'or sans fond pour faire des ressources. Affaire neutre. Ah bah bon Dieu. On continue de garder. Il y a encore une mission après celle-là. Enfin, après encore celle-là. Eh bien écoutez les amis, on a réussi à reprendre Clissive. Ah c'est... Comme quoi c'est pas forcément la taille. Hein. Mais on va commencer avec des objets de ouf par contre parce que en vrai le bouclier cœur de lion il est démentiel quoi. C'est plus 4 à toutes les caractères, c'est complètement fou. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, c'était la chaîne de Fer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis naturellement, ciao à la prochaine.